12 seconds later. A few moments later. 1 eternity later. Comment se trouvent mes petits habitants de la planète abonnés qui déchirent? Cette fois-ci, mes petits loulous, je vous l'avais déjà annoncé dans la dernière vidéo, on va faire du... On va faire un tout petit ennemi pour le jeu Huge Bang Bang qui s'appelle Loctris. Le débrief de mon Game Director... Je l'appelle comme ça parce qu'il aime pas que je l'appelle patron. C'était, il s'agit d'un gros œil dans un habitacle robotisé avec des bras. Il se déplace en volant grâce à de petits réacteurs silencieux. Pour la petite histoire, Loctris est un organisme génétiquement modifié par les Adris que les joueurs doivent battre en début de combat avant l'apparition des vrais ennemis. Nos petits yeux volants sont donc l'équivalent des fameuses chauves-souris de merde qui te pourrissaient la vie dans les jeux rétro, comme en parlait si bien le joueur du cellier, de la cave, du grenier, c'est ça, du grenier. Recette pour jeu pourri. Un courant d'air qui déconne, une lampe qui t'abandonne, des plateformes pourries, rajouter une chauve-souris. Oh, je vais en mettre deux. Ah, ça vous dit de jeter un œil dessus? Bon, ok, moi-même je me suis auto-saoulé là, donc je sors, je dégage, je prends la porte, parce qu'il y en a marre. Putain, mais comment ça se décompte ce machin? Enclencher la super vitesse ultraluminique. Décompresser les champs gravitationnels protoniques. Comment on fait? Le bouton rouge là. Non, là, à côté. À côté, Michel. L'autre côté, trou du cul. On y go! Recherche. Non mais oh, qu'est-ce que vous faites là, me regarder pendant que je dessine, bande de petits voyeurs? Je vous ai à l'œil, hein? Allez, c'est parti. Donc, pour faire cet œil, vu que je vais faire plusieurs recherches, je vais faire à peu près 4 propositions, je crois, en une petite heure. Je vais du coup créer la base de mon œil. Donc, je vais faire un œil bien développé avec son iris, tout ça. Et je vais copier-coller cet œil, comme ça, j'aurai cette sphère oculaire comme base pour ensuite chercher l'armure robotique qui était demandée dans le débrief et les bras robots aussi qui étaient demandés dans le débrief. Et différentes façons de faire des réacteurs aussi. Des réacteurs accrochés à différents endroits de l'armure pour voir quel design est le plus intéressant. Donc voilà, je suis en train de construire un petit œil en niveau de grille que je colore là, voilà, tout de suite. Comme ça, j'ai plus qu'à le copier-coller et à chercher. Voilà, on part sur du rose-violet parce qu'on est dans Huge Bang Bang et parce que, bon voilà, il fallait absolument que je fasse un iris alien. Des petites vénules pour rendre le tout un peu réaliste. Il y a toujours des petites veines dans les yeux. Donc voilà, j'ai mon globe, hop, je vais le copier-coller 4 fois et voilà, j'ai ma base maintenant pour commencer à chercher mes armures. Donc là, je commence à faire une forme très instinctive de l'armure. Hein. Je me base sur le débrief, ni plus ni moins. L'armure qui englobe l'œil. Là, des petits bras avec 2 doigts. Une petite antenne pour l'aspect robot. Je mets 2 petits réacteurs. Voilà, là, c'est vraiment le débrief pur et dur. Et là, je commence à chercher une autre direction. Je vais faire une armure, mais qui englobe un peu plus le globe oculaire pour voir si cette direction est sympa. Au niveau des bras, voilà, je fais des doigts un peu plus longs et puis un petit bordel mécanique au niveau du ventre. Je place les réacteurs différemment de sur la proposition 1 pour voir si c'est intéressant aussi. Là, il peut y avoir un certain réalisme. Bon, là, j'ai essayé de déformer un peu l'armure de numéro 1, mais je préférais finalement comme elle était au début. Là, je pars sur une 3e proposition qui est un peu plus inédite par rapport au débrief. Là, je prends un peu plus de liberté, c'est la prise de risque. Je fais une proposition prise de risque avec ces tentacules. Voilà, c'était une image que j'avais en tête aussi où des tentacules robotisés pouvaient donner cette impression de nerf optique derrière l'œil. Et j'imagine que l'œil, voilà, quand il se balade dans le tableau, ça peut donner des mouvements comme ça sympas. Donc voilà, j'ai voulu tester ça. Ça s'éloigne un tout petit peu du débrief parce que du coup, les tentacules n'étaient pas demandés, mais j'ai voulu. Et là, voilà, là sur cette dernière-là, je vais repartir. Je vais me recadrer sur le débrief et un truc que j'avais pas encore testé dans les 3 propositions, c'était de vraiment faire une capsule de verre dans laquelle est enfermé l'œil. Et dans les 3 autres propositions, c'était sous-entendu que l'œil en lui-même est un œil artificiel aussi qui est en verre. Donc là, sur la proposition 4, je voulais vraiment avoir un globe sphérique en verre pour faire ce côté presque astronaute, je sais pas. Et ce design, voilà, il me plaît pas mal. Et donc là, je commence à placer aussi des réacteurs de différentes tailles cette fois-ci, un gros et plusieurs petits, à des endroits stratégiques pour que ça reste cohérent, que ces déplacements qui, du coup, peuvent aider à diriger le personnage où on veut. Voilà, une petite plaque métallique devant.
Voilà, je commence à avoir déjà 4 brouillons de propositions. Tiens, là, j'avais oublié de caler le logo, donc je le mets entre-temps. Donc voilà, là, c'est des versions encore noir et blanc des armures, donc je vais commencer à les colorer en bleuté pour que ça fasse métalliser, pour avoir une couleur réaliste de métal, il faut tirer vers le bleu. Il faut rester dans les tons gris, une couleur très désaturée, mais du gris qui tire vers le bleu. Voilà, vous voyez, là, j'ai fait une petite teinte bleue sur la base de niveau de gris, et tout de suite, ça donne un effet un peu métallique. Et là, je viens peaufiner un peu les ombres et lumières. Cette fois-ci, je fais ça à la main, je fais pas ça avec le mode incrustation ou le mode produit sur les calques. Là, c'est vraiment, je vais chercher moi-même les couleurs pour aller le plus vite possible, parce qu'on est dans la recherche rapide. Sur ces 4 designs, il n'y en aura qu'un seul qui sera choisi, donc il ne faut pas non plus que je passe une heure sur chaque design et faire quand même des recherches qui restent rapides. Comme ça, en plus, ben, on n'est pas déçu quand il y en a un qui n'est pas choisi, parce que finalement, on n'a passé que 10 ou 20 minutes sur chaque design. Et donc, dans cette première phase de recherche, il faut rester assez rapide. Comme ça, voilà, on est dans... Je vais envoyer ça après à mon game director. Et c'est lui qui va choisir la direction qui lui plaît le plus. Et ensuite, là, je ferai un petit turnaround. Donc, dans cette vidéo, vous allez avoir encore un turnaround. Donc, restez jusqu'au bout, parce qu'après, il y aura un petit turnaround de cet œil octrice. Il y aura une vue de face et une vue de profil. Pour les vues de dos, il y en a certains qui m'ont demandé dans ma dernière vidéo, mais tu fais pas des vues de dos aussi dans le turnaround? Ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir, ce sera dans la vidéo sur les armures futuristes que je vous ai promis. Elle est déjà enregistrée en termes d'image, de création, il faut juste qu'après j'enregistre une intro, une outro et tout. Mais elle est dans la boîte déjà, elle est prête, enfin elle est en cours on va dire. Et dans celle-là, justement, on m'a demandé des vues de dos de chaque armure, donc j'ai enregistré une vue de dos pour vous montrer comment on fait aussi. Donc voilà, là, j'ai déjà peaufiné la proposition 2 pendant que je parlais, donc là, j'en suis à la proposition 3 avec les tentacules, que je peaufine un peu, donc voilà, on reste aussi dans les ombres et lumières simples. On essaye, voilà, de donner du volume aux choses pour que ben, le patron comprenne ce qu'on veut véhiculer comme idée, que ce soit compréhensible, mais on n'y passe pas non plus 3 heures. On essaye d'être le plus rapide possible, mais efficace aussi. Voilà, hop, des petits rayons de lumière, rajoute des petits détails comme des petites antennes et tout ça. Dans cette phase, vous avez vu que c'est facile aussi du coup de découper des zones et de les replacer comme il faut, ou de jouer sur les proportions, de les agrandir, de les rétrécir pour chercher le meilleur design. Là, c'est vraiment la phase où vous pouvez traficoter les trucs. Vu que vous faites des croquis très rapides, ben, c'est pas grave de le bousiller, entre guillemets. Si ça va pas, vous pouvez recommencer, et puis en 10 ou 20 minutes, vous en recréez un autre. Donc dans cette phase, voilà, on reste dans la rapidité, dans la recherche. Moi-même, j'explore, je sais pas quelle tronche ça allait avoir. Et là, on commence déjà à avoir 4 directions relativement différentes, avec toujours cette base d'œil, mais où c'est quand même 4 armures qui chacune répondent au débrief, mais d'une façon un peu différente. C'est des interprétations différentes. Donc c'est intéressant, j'aime beaucoup la phase de recherche, parce que moi-même, le débrief m'inspire, me donne des images, mais je ne sais pas encore quelle est la meilleure image dans les images que je vois. Donc là, c'est la mise sur papier de ces images que j'ai eues en tête, de ces directions, voilà, le côté tentaculaire à la Cthulhu, le côté... vous voyez la proposition 4 avec le globe de verre, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, j'ai proposé des mains avec 5 doigts qui font des mains humaines, parce que c'était dans le débrief, il y a écrit avec des bras robots, il n'y a pas stipulé, avec des bras à 2 doigts. Donc le côté 2 doigts, c'est moi qui propose au chef, mais c'est lui qui décide après. Et donc vu qu'il n'a pas précisé spécifiquement que des 2 doigts, ben, j'ai fait plusieurs tentatives. Voilà, la proposition 3, il y a ces 4 doigts, c'est des mains un peu plus cartoonesques. Et sur la proposition 4, donc, j'ai voulu faire des espèces de mains robots, mais qui étaient anthropomorphes. Voilà, qui avaient 5 doigts qui ressemblent à des mains humaines. Voilà, on met les numéros des propositions, et là, cette première phase va être terminée. Donc je vais envoyer ça au game designer, game director, pardon. et on va voir ce qu'il va choisir. Et une fois qu'il aura choisi, on va créer un turnaround de la proposition qu'il aura choisi. On continue à mettre un peu en page. Et on va envoyer ça. Et c'est donc parti pour la deuxième partie. Oh putain, le truc de merde. Donc comme vous le voyez, le boss a choisi la proposition 4. Donc je commence à faire le globe oculaire, le globe en verre avec l'outil sélection forme pour faire des belles formes bien propres. Et hop, je commence à dessiner un peu son armure. Donc je regarde un peu ben, mon concept de base qu'on a fait dans la première partie. Je me réfère à lui pour essayer de reproduire en ancrage, du coup, ben, les détails de l'armure que j'ai faite en peinture numérique en version un peu improvisée. Donc là, la version improvisée, je vais essayer de la rendre plus carrée. C'est ça aussi l'étape du turnaround, c'est que quand on travaille le concept, vraiment là, on est dans l'instinct, un peu la recherche.
le feeling. Et quand on est dans le turnaround, on est dans l'aspect technique. On essaye de décrypter le feeling qu'on a eu sur le concept et à rendre ça bien plausible, où les choses se connectent bien ensemble pour que le modeleur 3D puisse plus facilement créer ce personnage en 3 dimensions. Voilà, vous avez vu, j'ai eu qu'à faire un seul bras, ensuite à le copier-coller, à le mettre à côté, parce que à quoi ça sert de faire à la main les deux bras, sachant qu'il faut qu'on travaille le plus vite possible pour que le jeu avance, qu'il sorte et qu'il soit bien. Ben voilà, on prend un seul, voilà, vous voyez, copier-coller, comme ça c'est propre, c'est parallèle, et vu que là il y a ce côté armure robotique, il faut rester dans quelque chose qui paraisse industriel, donc il faut que ce soit bien symétrique. Et plus c'est symétrique, plus ça fait industriel, ça fait bien usine, quoi. Donc là, on part déjà sur la vue de profil. Vous voyez que comme sur les autres vidéos de turnaround que vous avez vu avant, je trace aussi ces repères sur un autre calque. Je vais baisser l'opacité pour que les repères soient pas trop présents. Et ensuite, on va partir voilà, sur la vue de profil de l'œil. Donc je commence à préparer l'œil avec l'iris. Hop. Oui, là, j'avais réalisé que j'avais fait ça. C'était surtout le globe oculaire. Et donc voilà, dans cette vue de profil, il va falloir faire un peu plus un effort intellectuel pour imaginer la vue de face, comment elle peut être retranscrite en vue de profil. Et par exemple, sur le concept et sur la vue de face, par définition, on peut pas voir le dos. Sur la vue de profil, on voit un tout petit peu le dos en trois quarts. Sur la vue du concept, c'est en trois quarts, donc on voit un petit peu que dans le dos, il y a les réacteurs et tout. Mais sur la vue de profil, c'est là où on va le plus voir le dos. Ce qui se passe dans le dos au niveau de l'armure, au niveau de comment elle est conçue. Donc c'est là qu'il va falloir faire un effort, un peu de réflexion pour que ce soit tangible, que ce soit un minimum concret ce qu'on fait. D'ailleurs, j'ai fait une toute petite erreur sur ce concept, d'ailleurs, sur la vue de profil. C'est que là, le réacteur, il est trop penché vers le bas comme ça, par rapport au concept qu'on peut voir, que j'ai recopié en petit, là, qui est en haut. Par rapport au concept, c'est vrai qu'on voit que le réacteur est dans le prolongement de la ligne de l'iris, en fait, si on trace une ligne qui traverse de l'iris au réacteur, c'est sur la même ligne. Alors que là, j'ai mis le réacteur un peu en biais. Mais donc, sur la vue de profil, là, c'est une phase un tout petit peu plus compliquée parfois, c'est qu'il faut commencer à conceptualiser vraiment ce qu'on a inventé d'instinct, comment ça va se passer vraiment dans la vue de profil. Parce que là, il y a le dos, et que le dos, quand j'ai fait la peinture numérique, j'y ai pas réfléchi plus que ça, j'étais encore dans l'instinct, quoi. Donc là, c'est la phase la plus compliquée, on va dire, de ce petit chara-design. C'est la vue de profil et d'imaginer comment le réacteur est connecté au globe oculaire. Est-ce qu'il y a voilà, toute une assise pour l'œil, comme si l'œil était assis dans quelque chose, dans un habitacle quoi, confortable. Et comment après les bras sont connectés au globe oculaire. J'ai fait des petits fils comme ça qui relient les bras à l'œil. Comme ça, c'est l'œil qui envoie des informations de mouvement au bras. Enfin, on peut se taper des petits délires d'histoire, de background comme ça. Là, je réalise que le petit réacteur voilà, du haut n'était pas assez grand par rapport au repère, donc je décide de le copier et de l'agrandir pour arranger ça, que ça ressemble plus à la vue de face, qu'il y ait le plus de cohérence possible pour les modeleurs 3D. C'est important d'aider leur tâche parce que c'est nous qui créons le design en termes artistiques, c'est nous qui improvisons des designs et qui inventons les trucs. Donc le turnaround, ça permet aux modeleurs de bien saisir ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu créer. Et voilà, notre turnaround est fini. L'Octris existe désormais. Mes petits Vénusiens, j'espère que vous kiffez les résultats. Moi, à force de dessiner des yeux, j'ai mal aux yeux. Mais c'est toujours un pur kiff d'imaginer une créature, l'avoir en tête et se battre sur le papier pour lui donner vie. Vu que je vous kiffe et que ça m'a été pas mal suggéré dans ma dernière vidéo, voici le sublime résultat de la modélisation 3D de notre petite actrice. Un grand bravo à Guillaume Mailleux, le modeleur du studio, qui a fait un super boulot. Et vu que c'est toujours Noël avec moi, voici même en exclusivité une petite image subliminale de la gardienne qui est en cours de création. 1, 2, 3. Si vous voulez d'autres designs de personnages, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Autre nouvelle pour ceux qui aiment ce réseau social, je suis enfin sur Twitter depuis hier. Suis-moi sur Twitter si tu veux vivre. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ni bien frère, ni le je te plaît. Ni à toi, ni chauvin. Y'a les gars dans le cadre. Ni bien frère, ni le je te plaît. Ni à toi, ni chauvin. Y'a les gars dans le cadre.